Bon matin tout le monde! Je pense qu'on est rendu au jour 6 du Vlogmas. Ça va bien à date pour vrai. Je pensais que j'allais avoir moins de choses à dire que ça, là. Mais je pense que ça va bien. Il se passe quand même assez d'affaires dans ma vie, puis assez d'affaires qui arrivent pour que je puisse remplir des vlogs, puis que ça soit pas trop redondant. C'est sûr que je suis pas trop habituée non plus de vlogger aussi intense. Fait ouais, c'est ça. Je pense que je suis pas si pire. Vous me le direz, là. Mais ouais, là, il y a encore des ballons à Emilien de la fête. Là, dans le fond, c'est ça, on est lundi. Là, faut que j'aille, parce que j'ai toujours pas réglé le problème de téléphone à Samuel. Fait qu'il va falloir que j'aille sûrement chez Apple, ou en tout cas, je vais voir ça tantôt, là. Je vais aller voir mon fournisseur premièrement. Puis si jamais ils peuvent rien faire, ben ça va être chez Apple. Excusez-moi, je suis en train d'uploader le vlog, puis là, ma page a comme changé, puis j'ai eu peur que l'importation elle arrête, puis comme, tu sais, quand t'es déjà rendu à moitié, ça fait un peu, je trouve ça plate de recommencer, parce qu'on dirait que j'ai perdu comme tout mon temps, mais bon, c'est ça. Fait que là, j'attends pour déjeuner, parce que je suis en train de me faire cuire des patates, un matin, hein, ouais, j'avais un envie folle de patates, fait que là, j'attends que ça finisse de cuire, je les ai mis dans le four, là, ouais, des petites patates pour déjeuner. C'est ça. Fait que là, il me manque juste ça. Je vais déjeuner, je vais aller me préparer. Puis après ça, on va sûrement descendre pour aller justement arranger le téléphone à Samuel. Puis il me semble qu'il y avait une autre chose que je devais faire aujourd'hui, mais je me rappelle comme pas trop c'est quoi. En dehors de la maison, là, je parle, là. Mais je me rappelle vraiment pas. Ça va peut-être me revenir. Fait que sinon, c'est ça aujourd'hui, c'est journée ménage. Puis j'aimerais bien ça, décorer mon sapin de Noël. Parce que là, j'avais dit que j'allais le décorer avec vous, mais je sais encore pas comment je veux le faire. C'est sûr que c'est juste, je vais faire comme l'année passée, mais je parle les rubans, c'est juste les rubans que je sais comme pas comment je vais faire cette année, j'ai comme, ouais, en tout cas, je vais voir ça. Puis sinon, faut que je fasse aussi un peu de bouffe là, pour Elena, parce que c'est ça, vu qu'elle est intolérante aux protéines bovines, mais là, elle peut pas manger grand chose, puis là, on a épuisé nos réserves pour elle, fait que là, c'est ça, va falloir que je cuisine un petit peu. Je pense que je vais sortir, ça serait... Ouais, je pense que je vais sortir des cubes de ragoût. Genre, peut-être un bon petit ragoût là, avec des patates, des carottes, là, des oignons. Ouais, je pense que ce serait bon, ça. Pour la semaine, là, faire un petit ça pour un début de semaine. Puis je verrai pour la fin de la semaine ce que je pourrais faire. Puis sinon, qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Je sais pas. Peut-être. C'est ça, je mange du poulet tout le temps. Fait que là, c'est ça, on dirait que je veux comme diversifier parce que je veux pas écœurer Samuel et les enfants non plus à manger tout le temps que du poulet. Même si je peux faire plusieurs recettes de poulet, mais quand même, je me dis j'aimerais ça leur offrir quelque chose d'autre. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, c'est ça. Comme je vous disais, je suis en train de mettre le vlog en ligne. Non, je sais pas. Je pense que c'est le 5e. Ou le 6e. 1, 2, 3, 4. Non, je pense que c'est le 5e. En tout cas, peu importe. Puis là, ce matin, là, je suis vraiment fatiguée. On dirait que la fin de semaine, elle me rentrait dans le corps. Puis c'est sûr qu'hier soir... on a vu que tu sais comme les enfants étaient tous décalés, on a comme on les a couchés un petit peu plus tard, fait que toute la routine s'est faite vraiment plus tard, fait que j'ai relaxé plus tard aussi, tu sais pour Samuel on écoutait un petit peu la télé puis c'est comme on jasait puis tout, mais il était rendu qu'on est allé se coucher, il était quasiment rendu 11h, fait que je pense que c'est plus ça qui me comme rentre, qui me rentrait dans le corps à matin là. Ouais, fait que je suis fatiguée, je sais pas comment je vais passer à travers la journée. Puis aussi c'est ça je voulais dire. Les vlogs, dans le fond, je les mets en ligne à partir de 10h le matin. Ils se mettent automatiquement. Là, je les ai pré-réglés, si on veut. Fait que c'est ça. Ça va être à chaque 10h, à chaque matin à 10h. Puis c'est ça, j'ai choisi cette heure-là parce que vu que je suis pas trop habituée encore à faire tous les vlogs, le montage et tout, ça demande quand même beaucoup de temps. Puis avec deux enfants, des fois, on dirait que je cherche mon temps. Puis c'est ça, fait qu'au moins le matin ça peut quand même me permettre, si j'ai pas tout fini d'uploader ou de travailler sur le vlog, ça peut quand même me permettre de travailler un petit peu dessus. Puis c'est sûr que là j'ai des journées d'avance, je sais pas si vous avez remarqué, c'est comme un peu décalé. C'est sûr que j'avais fait ça aussi pour justement me laisser un peu de temps de plus, si jamais il arrive quelque chose. Fait que c'est pour ça, fait, mais c'est ça, fait que c'est pour ça que c'est aussi en ligne à 10h le matin.
Mais je verrai là, si jamais j'attrape la vitesse puis que ça va super bien mes affaires, je vais peut-être changer ça pour 9h ou peut-être même 8h le matin. Si je vois que tout est vraiment bien pré-réglé puis que je perds pas de mon avance là, dans le fond. Là. Fait que vous me direz à quelle heure que vous préférez avoir les vlogs le matin. Je sais qu'il y en a qui aiment ça les écouter le matin quand ils se lèvent. Tout dépendant des gens là. Fait que ouais, c'est ça. Fait que vous m'en donnerez des nouvelles pour ça. Puis moi, ben je vais vous amener avec moi aujourd'hui. Puis je pense que aussi, c'est ça, hier, j'avais dit que j'allais vous montrer le cadeau du petit Coco, l'ami Emilien, mais je l'ai pas montré. Mais c'était les jeux là en bas là, de Melissa Endo. C'était comme le kit de ménage, là, avec le balai, puis en tout cas, toutes ces affaires-là, là, avec le petit poteau, là, je trouvais ça vraiment cute. Puis on veut, tu sais, il voulait vraiment ça pour sa fête, parce qu'il adore faire le ménage. Tu sais, quand les enfants, ils nous voient faire la balayeuse, ils veulent tout le temps la balayeuse. Fait que, en tout cas, je trouvais ça cute, puis c'était une bonne alternative pour lui, pour aider maman aussi, sa maman aussi. Fait que, ouais. Fait que c'est ça, j'avais oublié de vous montrer, fait que je voulais vous dire ce que j'avais acheté. Fait que c'est pas mal ça. Fait que comme je l'ai dit, je vais vous apporter avec moi aujourd'hui. J'attends juste de déjeuner, puis après ça, je m'en vais. En espérant vous redonner des nouvelles, puis en espérant que ça fonctionne. Là, c'est sûr que, comme j'ai dit, j'ai l'Apple Care. Mais j'essaie d'appeler chez Apple. Je sais pas si quelqu'un a déjà essayé d'appeler chez Apple, mais c'est hyper compliqué. Ils répondent pas. Puis après ça, j'ai rappelé, puis ils m'ont dit que c'était ouvert de 7 à 11, mais comme j'ai appelé, il est comme 9h le matin. C'est sûr que c'est peut-être 7h en Californie, mais comme je veux pas appeler en Californie, juste appeler ici, tu sais, en tout cas. Fait que là, c'est ça. J'ai le téléphone, j'ai mes papiers d'Apple Care, pour, ben, j'ai mes papiers comme du contrat, là. Fait qu'en tout cas, je vais aller chez ma compagnie de téléphone. Puis eux, sur le site, ils disaient que, oui, avec un délai, ils allaient comme être capables de l'envoyer, puis de... Ou je verrai, parce que je vais peut-être carrément changer mes téléphones. Je verrai. Pour vrai, je verrai, là, je sais pas trop ce que je vais faire. La seule affaire que je trouve plate, c'est que si je change de téléphone, je suis obligée comme... c'est soit que tu payes le téléphone en entier ou soit que tu, comme, tu mettes une balance là, sur ton contrat. Puis comme j'avais tellement hâte de comme, plus avoir de balance à payer, puis comme de juste payer le minimum pour nos forfaits. Dans le fond, juste payer nos forfaits. Parce que ça enlève quand même quasiment 60$ par mois là, de plus. Là. Tu sais qu'on payait de plus pour notre téléphone. Puis là, on aurait comme plus de 60$ à payer. Puis j'étais comme vraiment tout énervée. Enfin, je pense que c'est la première fois de ma vie que je termine vraiment un contrat au complet. Habituellement, je change tout le temps de téléphone avant, puis là, ben, c'est sûr que je suis à la maison, j'utilise quand même moins mon téléphone. Mais en tout cas, je verrai ce que je vais faire, parce que ça se peut que je change carrément juste le téléphone. Avec, on est lundi, là, c'est le Cyber Monday, là, puis en tout cas, il y a plein de rabais partout encore, fait que je verrai ce que je vais faire. Fait que je vous redonnerai des nouvelles un petit peu plus tard. Bye! Rebonjour tout le monde, je suis allée chez mon fournisseur de téléphone. Mon Dieu, regardez pas en arrière, là, je suis en train de faire un petit peu de cuisine. Je suis allée chez mon fournisseur de téléphone, puis c'est le Cyber Monday, comme qu'il appelle. Écoutez, j'ai changé mes deux téléphones. Ben, mon téléphone à moi, puis le téléphone à Sam. Mon téléphone, il n'y avait pas tant de problèmes, mais ça revenait moins cher d'avoir un nouveau téléphone avec tous les rabais. Que le téléphone que j'ai en ce moment. Puis comme j'ai dit, il restait un mois à nos contrats. Ben, pas à nos contrats parce que t'as pas de contrat là, avec qui qu'on est, c'est vraiment plus la balance du téléphone. Il nous restait un mois pour la balance, à moi et à Samuel. Fait que là, c'est ça, on va les payer le mois prochain, dans la prochaine facture. Puis sinon, on payait comme 21$ par mois, chaque pour nos téléphones. Puis là, on se ramasse à payer 15$ pour nos téléphones par mois. Fait que faites le calcul, on sauve comme 6$ par téléphone. Fait qu'en tout, on sauve 12$. Puis Samuel, je sais pas pourquoi, mais dans son compte, dans son, en tout cas, dans son numéro, il y avait, parce qu'il y avait comme un vieux téléphone, le vieux téléphone, un iPhone 7, il y avait comme un crédit de 125$. Fait que pour 6 mois, il y a comme un 20, 21 et quelques de rabais, genre. En tout cas, c'est vraiment étrange. Mais on va le prendre. Fait que pendant 6 mois, ça va coûter encore moins cher. Mais déjà de base, comme ça coûte moins cher. Puis après ça, ça coûte encore moins cher. Puis en plus, on a 1 gig de plus qu'on avait. On avait 7 gigs en ce moment d'internet, mettons, là. Chaque. Puis là, on va se lancer avec 8. Parce que c'est comme ça que c'est rendu là. Ils ont augmenté comme les contrats de... Mais tu sais, je paye pas plus, là. Fait que, en tout cas, je trouve ça vraiment ridicule. Tout est bien qui finit bien, là. C'est ça, j'ai comme essayé de configurer vite. T'sais, genre, j'ai rajouté l'identifiant Apple puis tout à Sam. J'ai essayé de downloader une couple d'apps qui avaient des applications qui avaient comme de besoin, mais que je savais qu'elle allait avoir de besoin. Mais c'était surtout pour ses appels, lui, puis ses messages, parce que quand il travaille, il a vraiment besoin de son téléphone, comme j'ai dit. Fait que, ouais, j'étais allée porter tout de suite quand j'ai sorti du fournisseur. Dans le fond, je suis sortie là-bas, j'ai tout de suite allée donner. Il était bien content, puis là, ben là, on se niaise, parce que dans le... Là, c'est ça,
on a toutes les deux le iPhone XR. Fait que là, c'est sûr, c'est nouveau, là. Fait que là, mais tu sais, en tout cas, je capote, là. En tout cas, on va. Je suis encore en train de m'y habituer parce que c'est sûr qu'il y a vraiment des choses différentes. Il n'y a plus de. Comme les anciens, il n'y a plus le home button ici, le bouton principal, il n'y en a plus. Fait que là, j'étais comme, comment je fais, genre, pour enlever les applications qui sont comme actives en arrière-plan. Là, je vais sur Internet puis je cherche parce que je sais comme plus comment faire. Mais à date, ça va bien. Je pense que je vais m'en sortir. Ouais, je vais m'en sortir. Puis ça devrait bien aller. Mais là, c'est ça. Samuel était hyper content parce que c'est ça, justement, il y a un autre téléphone. Puis moi aussi, tant que là, je vais passer comme l'après-midi là-dessus. Pendant que ma cocotte a fait des dodos. Là, c'est ça, il est rendu. Il est quasiment rendu 3h. Fait que ça. Je pourrais plus passer grand temps là-dessus, sinon ça va être ce soir quand les enfants vont faire dodo. Puis demain, c'est ça, j'ai vraiment hâte là demain, parce que demain, avec la garderie à Emilien, ben là c'est sûr que je vais faire garder Elena par la grand-mère à Sam. Mais demain, dans le fond, on a organisé une sortie avec la garderie. Puis on s'en va voir la Reine des Neiges au cinéma. Puis après, avant ça, par exemple, on s'en va comme dîner au restaurant, ben au McDonald's. Ça va être, on va aller au McDo. Fait que, ouais. Fait que j'ai mis vraiment hâte. Puis moi aussi, là, je suis toute excitée. Parce que je pense que ça fait comme 2 semaines. J'avais fait écouter le premier. Il l'avait jamais vu. Puis il avait vraiment aimé ça. Il avait trippé sur Olaf, le bonhomme de neige. Mais qui aime pas Olaf, sérieusement. Fait que, ouais. Fait que là, on s'en va voir ça le 2 demain avec la garderie. Puis c'est ça, là, vu qu'Elena, tu sais, elle commence à. Tu sais, elle veut marcher debout, elle est à 4 pattes, puis elle veut jamais rester sur nous parce qu'elle est rendue autonome, là, madame indépendante. Fait que, ouais, c'est ça, je suis mieux juste d'aller la faire garder, parce que l'amener au cinéma, là, oublie ça, là, je vais... Ça serait même pas agréable, je pourrais même pas écouter le film, fait que c'est ça que je vais faire. Je vais aller la porter chez la grand-mère. Mais Samuel va aller la porter chez sa grand-mère le matin, puis c'est ça, moi, je vais garder les miens, puis c'est comme on va partir peut-être vers 9h30, 10h d'ici. On va descendre, puis on va aller, comme, dîner, puis après ça, on va aller... ouais... On va aller voir le film. Je suis excitée. J'ai vraiment hâte à demain. Puis là, ben c'est ça. Fait que pendant ce temps-là, avant d'aller chercher Emilien à la garderie, je vais gosser sur mon téléphone un petit peu. Essayer d'arranger plus d'affaires parce que j'aime vraiment ça, moi, quand mon téléphone est placé d'une certaine façon. Sinon, je me cherche, là. Fait que je vais essayer de tout redownloader les applications que j'avais. Puis replacer ça tout du même ordre. Puis là, faut tout que je rentre mes comptes. Ben, c'est pas mes comptes, mais... Mettons là, mon Snapchat, il a fallu que je me réussisse, mais que je me reconnecte. Là, mon Facebook, faut que je me reconnecte. Fait que tu sais, c'est comme chaque application, il y a un mot de passe pour chaque affaire. Puis là, je me cherche là, dans mes mots de passe. Là, je suis comme, mon Dieu, parce qu'on prend pas les mêmes mots de passe pour chaque chose. Fait que c'est ça, je me cherche vraiment. Fait que ouais. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je vais aller faire ça tranquillement en écoutant la télé. Puis là, j'ai comme pas dîné parce que j'ai été pognée là-bas 2 heures de temps. Au minimum, là, je dis 2 heures, là, mais c'était peut-être 2h30, 3h quasiment, là. Le temps de tout changer, le temps, là, parce que c'est ça, on négociait comme mon téléphone, parce qu'il y avait de quoi qui marchait pas, pour avoir mon crédit, comme je vous dis, de 125$. Puis là, c'est ça, en plus de ça, il y avait une super promotion que si tu changeais de téléphone, t'avais comme un 100$ d'accessoires gratuits. Fait que là, moi, écoute, je me suis lancée dans les folles dépenses, parce que 2 téléphones égale 200$, fait que, ouais... j'ai pu tout de suite acheter un case pour Samuel avec une vitre trempée, je pense qu'il appelle. C'est comme ça qu'il les appelle. Attendez un petit instant, là. Je pense que c'est ça, une vitre trempée. Protection. Comment il appelle ça? Ben, protection contre des impacts, oui, ok, mais... Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui est écrit. En tout cas, je pense que c'est ça, une vitre trempée. Ouais, en tout cas, mon Dieu, mon sac va même tomber. Ouais, fait que c'est ça, je pense que c'est ça une vitre trempée qui appelle, mais fait que c'est ça, fait que je l'ai fait installer tout de suite pour Samuel, j'ai mis son case, la mienne aussi pareil, moi j'ai pris un, hey c'est ça je voulais vous dire, je pense que ça fait, mon Dieu je pourrais compter les années là, contrat de 2 ans à chaque fois, mettons tu te dis pour le téléphone, les 3 derniers téléphones que j'ai eu, fait que pendant 6 ans de temps, j'ai eu un téléphone toujours soit... blanc, rose gold ou argent, là, tu sais. Puis, tandis que le premier téléphone que j'ai eu, je pense qu'il était noir. Je pense que c'est le vraiment premier. Puis là, je me suis dit, je sais pas, je trouve ça salissant, je trouve ça. Mais là, j'ai repris un noir. Je capote, là, regarde, c'est mon frère qui est en arrière, là. Mais ça, j'ai pris un noir. Puis, mon Dieu, c'est bien bizarre, est-ce que vous voyez ça? C'est comme si ça flashait. Je sais pas si on le voit, en tout cas. Comme si la caméra d'en avant flash avec l'autre caméra. D'une certaine façon, je sais pas si vous le voyez, je vais leur. Même que je regarde la vidéo, je vais regarder si ça, on le voyait aussi, ou si c'est juste moi qui est folle. Mais, ouais, c'est vraiment. Je l'ai pris noir, puis là, je sais pas trop si je l'aime, mais comme.
je vais m'habituer, c'est sûr, là, mais je voulais quelque chose de moins salissant. Mon blanc, je trouvais qu'il avait l'air tout le temps sale. Puis c'est ça, j'ai quand même pris un case transparent parce que je veux toujours voir la photo de mon frère en arrière. Puis, ouais, fait que c'est pas mal ça. Pour vrai, je vais aller m'amuser avec ça, là. Je trouve ça vraiment spécial. En tout cas, ouais, fait que c'est pas mal ça. Puis Samuel aussi, il a pris noir. Ben, j'y ai pris noir parce que lui, il prend tout le temps noir. Même qu'il met le thème sombre, mais ça, j'avoue que j'y ai comme pas mis le thème. J'ai pas changé le thème. Je ferai ça ce soir. Puis là, comme en essayant de mettre, avec mon ancien téléphone qui était pas le même fournisseur, là, en essayant de, comme, de prendre ça pour le dépanner, c'est comme si mes contacts étaient encore dans mon ancien téléphone. Puis là, en y mettant sur iCloud, c'est comme si ça allait tout enregistrer mes contacts. Fait que là, tantôt, quand j'ai comme... Quand j'ai comme tout réinstallé ses affaires, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas juste téléchargé ses contacts à lui, il a téléchargé mes anciens contacts de mon autre téléphone et je capote. Là, il y a comme des il y a comme tout le monde en double, puis en tout cas, c'est... il va falloir que je fasse un beau tri de ça. Mais ouais, fait que ça va être peut-être plus en fait la fin de semaine prochaine, là, parce que pour vrai, on n'a juste jamais le temps. Puis déjà que je vais falloir jouer après mon téléphone, fait que il va passer après. Déjà que j'y ai tout arrangé ça, je suis bien gentille. Puis il y a une chose que je sais pas si j'aime vraiment ça. Mais la seule chose que tu sais, je suis vraiment pas sûre, c'est avec, parce que j'utilise quand même beaucoup Snapchat, là, je suis tout le temps là-dessus, mais tout le temps là avec mes amis. Fait que comme quand que je me regarde de même, tout le monde j'ai mon téléphone, là, puis je me regarde, je me filme là. Avec mon ancien téléphone, c'était juste beau, c'était comme correct. Pis là, avec le nouveau téléphone, c'est comme si ma face est comme hyper grosse. C'est comme si là, je vous parlerais comme ça. Avec, mettons, comme ça, c'est mon ancien téléphone. Puis là, avec le nouveau téléphone, c'est comme si ma face était de même. Fait que là, on voit tout genre, je sais pas, on dirait que je me sens comme regardée, de vraiment proche, là. Puis je trouve ça pas très joli. C'est comme si Snapchat avait comme pas fait la mise à jour pour l'iPhone, mais le nouveau iPhone XR. Mais genre, en tout cas, c'est sûr qu'ils ont fait une mise à jour, mais... Je sais pas, c'est comme si j'étais hyper zoomée, puis là, je me suis dit, c'est juste le iPhone qui est comme ça, ou c'est vraiment juste Snapchat. Fait que là, j'étais allée dans la caméra du téléphone, puis je suis pas de même, fait que c'est juste dans Snapchat. Fait que j'étais comme, c'est dommage. Peut-être que ça va s'arranger, ou peut-être que je vais juste comme m'habituer, mais ouais. À part de ça, à date, je l'aime super, je l'aime vraiment bien, fait que je vais aller continuer à jouer avec, puis hein, si jamais il y a d'autres choses qui me déplaisent, je vous le dirai, mais à date, tout est correct, là. Vraiment juste dans Snapchat. Fait que j'étais un peu déçue. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je vais peut-être en vlogger un petit peu plus tard. Fait que sinon, ouais. Fait que je vous redonne une nouvelle plus tard. Bye!